Bonjour à tout le monde. Alors ce matin, on va s'intéresser au psaume 103, qui est un psaume du roi David, le roi d'Israël. Et il écrit au psaume 103 et au verset 2, il écrit ceci: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David était un homme de guerre, un homme qui a vécu des situations parfois très difficiles, mais il a gardé dans son âme le désir de louer Dieu, de remercier Dieu pour la vie qu'il lui a donnée, pour toutes ses bénédictions, pour la création. David aimait contempler et adorer Dieu. D'ailleurs, il écrit: Quand je vois le ciel, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, alors mon Dieu, mon âme t'adore, mon âme te bénit. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Et je crois que c'est important pour nous de se lever le matin et de dire: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublier aucun de ses bienfaits, cela nous montre que David savait faire la part des choses dans sa vie, parce qu'il a vécu des choses très dures, très difficiles, mais il savait se concentrer plutôt sur les bienfaits et les bonnes choses que Dieu a mis dans sa vie. Je me souviens d'un ami qui s'appelait Jean-Pierre, qui s'appelle toujours Jean-Pierre, d'accord, parce qu'il est toujours vivant, et qui a vécu une terrible épreuve. Lorsque sa femme a accouché, eh bien, elle lui a donné un petit garçon, mais malheureusement, il y a eu des complications avec l'accouchement de sa femme, c'était en France, et la dame est décédée. Et Jean-Pierre me racontait qu'il était là en train de se poser des questions, et il réfléchissait à cette situation qui était terrible pour lui. Il se retrouvait maintenant sans femme, sans épouse, avec un petit garçon sur les bras, et il ne voulait pas se rebeller contre Dieu parce qu'il savait que Dieu, malgré tout, est souverain, et que c'est lui qui était en contrôle dans toutes les situations. Et il m'a raconté ceci. Il m'a dit: quand j'étais en train de prier, de réfléchir à ceci, à cette situation, j'ai eu ce cantique qui est revenu dans mon cœur, qui dit: quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte tous les bienfaits de Dieu. Et c'est vrai que là, Jean-Pierre a réfléchi à sa vie et il a rénuméré en son cœur tout ce que le Seigneur avait fait de bon dans sa vie. Et il a compté les bienfaits de Dieu. Et il me dit que quand il s'est mis à chanter ce cantique, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, il a compris vraiment le message du Seigneur qu'il fallait se concentrer sur ses bienfaits, sur son amour et sur sa grâce. Et en s'appuyant là-dessus, il allait traverser cette tempête qui était une tempête vraiment terrible, difficile. Mais aujourd'hui, eh bien, Jean-Pierre, il est toujours debout, il marche avec le Seigneur, son fils est en bonne santé, et puis il a une vie qui est épanouie. Voilà, Dieu est souverain, et même si nous traversons des situations parfois que nous ne comprenons pas, sachons ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Et c'est ce que David avait compris quand il dit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, que vous puissiez vous rémunérer tout ce que le Seigneur vous donne chaque jour et que vous puissiez être dans une situation de bénédiction, de joie, de louange et ainsi adorer et remercier le Seigneur et non pas baisser la tête en étant découragé, en se plaignant et en revendiquant des choses contre des personnes ou même contre le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide dans cette journée. Nous allons le prier maintenant. Merci Seigneur pour ce beau passage du psaume 103 qui dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous n'oublions pas tes bienfaits, Seigneur, la santé que tu nous donnes, les beautés de ta création, Seigneur, toute ta grâce qui chaque jour se renouvelle sur nos vies. Merci de bénir chaque personne qui a écouté ce partage, de lui donner vraiment une belle journée, Seigneur. Et je prie aussi pour Madagascar, je prie pour cette belle nation, Seigneur, ce peuple, que tu soutiennes les autorités aussi, que tu donnes vraiment, Seigneur, à Madagascar d'avancer avec toi dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen, passez une belle journée et à bientôt.